j'ai fini deuxième à chaque fois, donc je pense que j'ai pris pas mal de points. Hein. J'aurais pu prendre plus, mais bon, tant pis. 2006 de sauf, oh là là là, catastrophe, catastrophe. Ouais, voilà. Catastrophe. Oh, je vais peut-être rester avec vous. Non, c'est pas facile, mais bon, ça va aller. Hein. C'est Monza, quoi, c'est... Oui. Ouais. C'est pas... On s'est bien battu avec Denis, la course. Ouais. C'était sympa. Putain, il y a James, il vous a mis une... Pour aller. Ouais, il vous volait. Il a level up de ouf, hein. Là, d'un coup, là, le mec, il est d'un coup, là, il a... Ah, il a trouvé un setup. Il peut pas être, comme disait Denis. Autant la 3.5, Denis, il avait plus ou moins le même niveau. Et là, sur la Super Formula, Denis, il est hyper performant, et le gars, il met une grosse pilule. Ah ouais, bah... 10e par tour, ça n'avait pas de sens. Après, de ce que j'ai vu, il... Côté pilotage, Denis, il avait des trucs à améliorer. Hein. Ah, mais je dis pas qu'on est au top. Hein. Je dis juste qu'ils étaient équivalents il y a 6 mois sur la 3.5 et que là... Ouais, mais je sais pas. Je sais pas. C'est dingue. Mais t'apprends pas à faire des setups comme ça du jour au lendemain, quoi. Non, mais il les a trouvés, regarde le level up qu'on a mis avec les TS. Bah ça, je pense qu'on a les mêmes setups avec James. Voilà, il avait le speed. Le speed j'ai pas trop aimé, j'arrivais à faire des temps mais j'ai pas trop aimé. Ah, je trouve le speed est horrible. Et puis il est tricky en course et tout, en bataille, ça va pas. Je roule un tout petit peu en Formula Light parce que j'espère... Ah, la light elle est sympa. Hein. J'espère être au GP Fun ce soir. Ouais, nickel. Normalement si j'ai pas le dernier relais ça devrait le faire, je vais pouvoir aller rouler là-bas. Ah mais tu veux, faut que tu withdraw si tu fais ça, non? Bon, je pense que... Ouais, j'ai quand même... Je reviens, je vais juste faire le calife là, tranquille. Si la course termine à 22h, je peux... Ah ouais, je vais être obligé de withdraw. Non, c'est une ligue. Alors, je sais pas. Hop, je reviens les gars, à toutes. Bip, bip, bip. Ok, c'est parti.
Dommage, fais le con. Ça arrive, hein. C'est de la merde. Mic off. Mic on. Mic off. Mic on. Bon. Salut les gars. Ouais. Bon bah c'est la pole, mais j'ai fait mon deuxième tour, je suis sorti au large. Ah bah bravo ça. Du coup, 27-6. Oh, bien ouais. Mais j'ai fait le con sur... J'ai fait le con dans mon deuxième tour, j'avais un dixième et quelques d'avance. Bon. Oh, mais ça suffit, j'ai trois dixièmes d'avance. Oh. Ouais, ça suffit. Tu te souviens après combien c'est le tour en SF Flight? Une 41, je pense. Une 41. Ce garage. Ça va être une 40. J'ai essayé de faire une 40. Plus en 42 là, moi. Merde. J'essaie de faire une 80. J'essaie de faire une 97 de consojo, ce que ça donne. Si c'est compliqué ou si c'est pas si dur que ça. Les paramètres caméra, il était. Ouh, il est chaud. Alors, vous allez rejoindre une session. Bon. Je sais pas. Là. Ah, mais la température était que. Oh, trop, ça va me fatiguer. Et... Good luck, guys. Good luck, Fabienne. Ouais, bonne chance. Ah oui. Oh, sa grand-mère. Yeah. Là, t'as de la motivation, ça. Oh, ouais, c'est clair. Mais c'est mes médocs. Pourtant, c'est du jus d'orange et tout, hein, pour essayer de. Avoir un peu de vitamine, mais mes médocs ils m'endorment. Oui. Arrête les médocs. Oh oui, bah. Ah. Pourquoi il est né, ouais. Faut en l'air au bout de deux semaines, allez hop. Je sais pas. À la weed plutôt. Ouais. Non. Félix. Bon, je touche pas à ça, moi. Je suis en live, est-ce que ça fonctionne? Fonctionne en live? Je pense que c'est. Ouais, ça fonctionne. Bah, chelou. Ouais, j'ai reçu un notif. Sur le Twitch, raciste. J'ai fini par ça. Ouais, c'est bon. Ça fonctionne chez vous? Oh. Si Félix, ça marche pas.
Oui, mais c'est... Je sais pas, c'est... il a un touche de raciste, hein, faut croire. Pourquoi on entend Arthur, il est sur ton live, ça. Waouh. Arthur ah, mais toi ouais. Couillère. Arthur. Et Arthur. C'est quoi ces chronos, Denis Cornu, là 41-4. Tac, 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 Delta. C'est la calife, ça. Ouais, mais c'est normal, ça. Je sais pas ce qu'ils vont nous sortir comme voiture pour la saison prochaine là. Bof. Peut-être qu'il y a un développeur là, mais je sais plus ce que c'est quoi. Ah, oh, je suis encore une marque. À part peut-être remettre de la nouvelle GT3, genre une McLaren par exemple. Ah, le GT3, ça peut être une autre arrivée. Et excuse-moi. Des gens ? Putain, ça ferme. Bah il leur faut les il faut les LMP, les GTP. Ok, pour faire toutes les ah, GTP c'est ils ont quasiment. Ah non. Les LMDH. En fait le Peugeot, Peugeot Alpine. Non ouais, c'est vous utilisez les droits du WEC en fait. Bah ils l'auront jamais. Bon si ils peuvent avoir. Non bah non parce que c'est le mot ultimate qui a le droit. Ouais après c'est. Ah ils ont jamais les droits. Déjà pour les 24 du mois ils ont plus les droits et ils sont plus du tout parce que c'est le ultimate qui est trop riche. C'est le principe. Ouais, ils ont pas les droits pour porter Badalara. Badalara c'est un partenaire officiel, dire ainsi. Non mais en plus tu peux le prendre avec la licence IMSA. Non, il y est pas. Il est juste en break. C'est sûr. Mais mon GT challenge. Par contre, il y a les pistons en break, ça c'est sûr. Oui, bah même en Nusa, c'est sûr. Ah, j'ai pas le temps, moi. C'est vrai qu'il y a des arrêts aussi, plus en Super Formule 1. Ouais, normalement, dans la vraie vie, ouais, mais par contre, c'est toujours les mêmes pneus. Ouais, mais c'est pas grave, ça. En vrai, ils pourraient faire un truc... ils pourraient laisser open et fixed comme ça, et faire un truc style endurance, où t'as un arrêt, tu vois. C'est sûr. Bah, comme, oui, comme, font avec, l'IMSA. Comme les grands tours, même pour la F1. Ouais, non. Je suis quasiment plus différent que toi, Younes, aujourd'hui. Ouais, grand prix, hein. J'étais fier de... Heureusement qu'il y a eu la safety car, parce que sinon, Hamilton, il prenait un tour. Ouais. Ah, quelle course de merde encore. C'est le deuxième grand prix que je vois.
Bah ouais, à fond. Je te montrerai tout à l'heure un truc. Je suis en train de faire la collection de toutes les voitures avec lesquelles les champions du monde, il me reste plus qu'une. À l'échelle 1/18. J'ai deux casques. T'as encore envie alors que... Bah attends, une fois que t'as vécu à Abu Dhabi 2021, tu survis à tout, mon gars. Mais franchement, il peut tout se passer, hein, rien à foutre. Hein. Bah les gars, je suis sérieux, je suis en course quand même, là, j'ai de la pression, là. Bah, après, théoriquement, il va amener toute la partie stratégique que Ferrari n'a pas. Non, il va rien amener, hein, il va rien amener. Hein. Il va rien amener, il va ramener du business, lui. Il va ramener les... Il va ramener du business. Bah, en vrai, il va faire une VTL. Non, je pense pas, non. Non, je sais pas, d'accord. Est-ce que Ferrari sera en phase de signer Adrian Newey, donc... Non, c'est plutôt l'inverse. Ce serait Newey qui sera en phase de signer avec Ferrari. Ouais, ouais, c'est pareil. Pas tout à fait. Est-ce que tu serais intéressé d'être habillé en... T'imagines une hypercar de Newey Ferrari? Tu vois le délire? Une hypercar, qu'ils nous fassent une hypercar Ferrari, tu vois, la voiture ultime. Ferrari et Newey, quoi. Non, mais c'est Newey qui veut rejoindre Ferrari, c'est pas... Il a toujours dit qu'il... C'est un peu comme Hamilton, il a toujours dit qu'il rêverait de travailler pour Ferrari. Ah, t'es obligé de rêver de travailler pour Ferrari quand t'aimes la bagnole. Moi, je suis pas un fan de Ferrari, mais tu respectes. Un peu de respect, quand même, quoi. Oui, 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 mais... T'es obligé, hein, je veux dire... Quand t'as des mecs comme ça, parce que du coup, lui, le salaire, entre guillemets, son bonnet coup, il sera un des trois plus gros salaires. Donc... Après, il va quitter l'Angleterre, il va être en Italie, il va bien manger, il va être bien. Ah, mais puisque ça, c'est genre, c'est un peu. Ah, il va rester à Monaco, je pense. Ouais, mais bon. Il y a les trois plus gros salaires dans F1, ils sont pas comptés dans salary cap. Du coup, c'est en gros, en général, c'est team directeur, Je vais me concentrer un peu, les gars. Il faut que je donne un petit coup d'accélérateur. Parce que derrière, il est là. Et... Ouais, ouais, mais je suis l'aspi. Il est rincé, le type, là, explose. Là. Ah là, tu parles et voilà, je me fous une roue dans l'herbe. Là. Ah là là. Ah, j'ai pas que je me prenne la petite seconde, là, j'ai poussé un peu, mais j'ai pas envie de mettre du push. Je pense que 37 tours, ça sent très bien. Puis une presse, avec le trafic, ça m'a l'air rapide. Je pense je suis pas bon. Hein. En fait, c'est vraiment vrai que c'est le BOP qui fait tout, donc en soi. Enfin, heureusement. Oui, bah après, c'est pareil pour ça. Hein. Oui, c'est plus de conscience. Mais tu vois, typiquement, quand tu vas au Peugeot, t'as vraiment pas. Oui, non, bah, là, mais en plus, c'est con parce que. Je pense que la voiture sans aileron sur une molasse ça serait facile. Ah, quand même. Non, bah, je suis pas d'accord. Bah, en fait, le problème c'est que des voitures comme ça, t'es obligé de les rouler super basses et il y a tellement de fibres. Non, mais elle est déjà surpoids là. Ils ont fini une bop. Elle est pas avantagée la 9X8 là. C'est une des voitures qui a le plus de points. Ils sortent le concept maintenant et qu'ils sont même pas sûrs de. Ouais, correctement. Il y aura une deuxième pop. Oui. Alors, crew chief. Ah oui, Tim. Ah non, non, non. Pff, mais qu'est-ce qu'il fait, lui?
Il est con, lui. Avec quelle heure votre course a commencé 16h15. Ramos bouffon. Ah ouais, mais c'était sûr ça. La classique. C'est tant que je te suis. Oh, il est con, mais il est con lui. Oh là 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 là. Oh là 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 là. No damage. Bon ben voilà, il a une seconde 2. Fini le draft. T'as vu comment j'étais gentil en plus? T'as vu? J'étais gentil avec lui, je lui ai laissé la place et tout, et le mec il me tourne dessus quoi. Ah mais bravo team hein. J'ai freiné plus tôt pour qu'il passe tranquille la chicane. C'est... Attends, non, je crois qu'il a pas failli, je crois qu'il a tué... Il a tué des garbeurs en plus. Ouais. No team, no team, that's so not right, that's so not right. J'ai rien fait de mal, on est d'accord, hein. J'étais gentil moi. Il t'a blâmé? Hein? Il t'a blâmé? Non. Bah non, mais il a... Juste... Non, je vais laisser la place, hein. Ouh là là, ça chauffe. T'as la pression là. C'était lequel déjà, le 3? Non mais je me sens pas prêt comme là. Ouais, bon t'inquiète, moi aussi, hein. Je me sens encore moins prêt qu'Aimo là, pour te dire. Ouais, c'est un peu même feeling que j'ai. Sorry for you Fabien, you don't deserve this. Proposez-moi des beaux dépassements. Ouais, bah tout, je pense. Ouais. Dépassement c'est quoi? C'est quand on touche le mur, c'est ça? C'est... Non, c'est 4x. Ça, c'est quand tu sors des stands et que tu fais le gauche-droite pour reprendre directement dans l'espace. C'est du circuit. C'est ça, t'es pas clair. Ah, mais ça, on me l'a dit, mais jamais, je sais même pas. C'est quand tu vas tout droit, c'est ça? Ouais, en fait, tu sors pas des pistes. Au lieu de tourner à gauche, tu restes tout droit à droite. Et tu peux couper tout le circuit. Parce que si tu fais gaffe, tu vois des voitures qui arrivent. Yeah, it's hot, yeah. It's too hot. Ah, il stresse. Quand tu me dis que t'es pas prêt, je suis pas prêt, ok? C'est vrai. Je suis pas prêt. Ah. Elles ont abandonné instant, genre elles avaient 18 tours d'écart déjà avec. Ouais, elles ont premier tour, fin de premier tour. Je sais pas si c'était le moteur ou pas. C'est qui mène? À la cuit. Bon, c'est les fessiers, je pense. Ouais, je pense, hein. TPP gagne que les trucs chez eux et les événements importants quand même. Ils ont changé la donne. La F Corse, elle a pris un DT. DT? Ouais, mais c'était 3, il y avait 3 FFP devant. Oui, mais c'est la question de course de la FCT. Ah. Et d'ailleurs, passe ce stand pour faire
s'arrête. Ouais, mais bon. Mais le truc, c'est que les fichiers sont privés au favorable. Ouais, donc c'est la 83. Quatrième. C'est vrai que je peux plus me donner en route. Bon sport, on voit. Sur l'équipe, normalement tu peux le voir. L'équipe, il y a les 24 en moto. Ouais, non, mais c'est sur l'équipe. C'est fini là. Et puis. On peut mettre le. Notre contact. Sur l'équipe, je veux dire, si tu vas sur le site de l'équipe, tu peux le voir. Je sais pas s'il faut s'inscrire ou pas. Il faut juste un ordre de panier. Oh, ça y est, gros. Et là, la Lex 87, elle est juste là. J'ai fait de la merde. Je fais n'importe quoi. L'équipe. Eh bien, c'est un triplé Porsche pour le moment. Non. Alors après, je sais pas si c'est parce que les Porsche ne sont pas arrêtés et que Ferrari ici, mais il y a quand même 27. Attends, 70 tours. La Porsche numéro 5, elle a 70 laps à la 18 secondes de la 12. Oh, ta mère, il fait un compte. C'est gentil de donner le draft. Alors lui est gentil, lui. Thank you very much. Et en fait, la Fefe, elle est 28 secondes après les 3 Porsche. Ah non, c'est ça. C'est Pete, la numéro 5 avec Pete. 55 secondes d'écart. Là, une 11-7 et j'arrive pas à faire mieux en qualif. On fait pas beaucoup de diff entre qualif course et. Enfin, entre qualif et course. Je pense que je peux le mettre. Ah bah, ça dépend des. C'est comme tout, c'est les dernières conditions. Ouais, c'est. Ça a l'air d'être un triple Porsche pour moi. Ah, parce que je veux pas les 24 en moto, je m'en bats les couilles. Bah ouais. Motobillette. Boup boup boup. La moto billette. Bep 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 bep. M'empêche faire des courses de moto, c'est ce que je disais à ma femme ce matin quand je regardais. Faire des courses de moto, c'est déjà vachement taré, mais 24 heures sur une mec. Bah ouais, physiquement c'est chaud quoi. Non mais surtout, le pire c'est pas ça, c'est qu'ils sont que 3. Ils font des relais d'une heure à chaque fois. 3 ou 4. 3 ou 4. Non, non, et alors les... Non, en fait c'est. Les pros entre guillemets ils sont 3, et les hommes en gros, si tu veux, ils peuvent être 4. Ils sont pas obligés, mais ils peuvent être 4. Du coup, tous les équipages pro ils sont 3. Et là il y a une des équipes là qui c'est numéro 1 qui est 3ème. Il y en a un qui s'est fracassé ce matin. Il s'est fait mal à l'épaule et du coup il roule plus. Donc les mecs ils ont pu faire c'était 6 dernières heures pour faire, enfin à 2. C'est dingue. Ils ont même pas la grande ligne droite des. Non, ils ont rien. Bah, c'est le Bugatti, il n'y a pas de ligne droite. Bugatti. Voici en remontant derrière la bulle, ça va. Oh non. J'étais à 200 sur ma bécane, t'es pas sûr. Hein. Ouais, mais t'es. Tu te repousses pas. Hein. T'avais des voitures en sportive. Ouais, mais t'es en sportive, ouais, gros. Sportive. Ouais. Ah, franchement, bon, après, on est en route ouverte et tout, donc t'as plus d'appréhension. Ouais. Mais je pense qu'à 300 sur la bécane, tu te reposes pas forcément parce que ça. Tenir au guidon. Après c'est comme tout, c'est une habitude qu'il faut s'en aller. Ils font que sur le Bugatti. Ouais. Ce serait trop dangereux sur le. Bah ouais. Ouais. Non, plus que ça, c'est les virages, t'as pas de dégagement sur les virages. Oui. C'est des virages Porsche quoi. Non, mais...
mais au pire, ils font son raison. En fait. Ouais, putain. Bah, ah, tu rates, bah, t'as la gueule qui recule comme nous. Bah, c'est TT, c'est pas mal de courses en Angleterre. Enfin, bon, oui. Soit comme ça. Qu'est-ce que je prenne tôt premier à la première chicane, putain. Vous serez dans le même sauf les deux voitures? On ne sait pas. Non, bah non, c'est quasi impossible. Ça sent, ça fait 3000. Bah, en fait, ça dépend. Ça dépend le nombre d'inscrits, en fait. Vous êtes trop. Parce que hier, on est 3. Parce qu'hier, il y avait que 2 sauts hier soir. À 20h. Ah, mais je pense que ce sera aujourd'hui la plus course. Oh putain! Oh, c'est terrifiant. Oh, la Porsche, elle a failli. La Porsche numéro 6, elle a failli s'exploser contre une GT3. La GT3, elle a pas voulu bouger de sa ligne et la GTP, elle est en mode, bah, il va se mettre à droite et il a jamais décalé. Oui. Ça a pas commencé que j'ai déjà hâte que ça termine. Non mais Long Beach quoi, pourquoi j'ai pris ça? Pourquoi je me suis lancé là-dedans? Mais ouais. En fait plus l'heure arrive et plus je me dis ça. Non mais en IndyCar encore, oui je crois que je me suis abusé, mais là, franchement ça va être une purge. Ah c'est Papier aussi qui roule. Ah y'a Rossi qui l'a jeté. Oui, ouais. Bah, c'est dommage, là, ils vont pas mettre des coups de pied pour tomber du tout. Oh. Oups. Ah, on est fan de Marc Marquez, là. Non, non, juste une haine contre Rossi. De toute façon. Parce que je regarde pas la MotoGP, mais genre, quand j'ai appris ça, je suis en mode, ah ouais, c'est vraiment un. Mais le sport auto adore les connards, et le sport en général, genre Ayrton Senna c'est le plus grand fils de pute de tous les temps et tout le monde l'adore. Bah ouais. Michael Jordan a la même. Ouais, en Michael Jordan je suis d'accord. Schumi c'est pas un enfant de 40 non plus, enfin c'est... Il y a que Lewis Hamilton qui fait pas trop de grâce à part se plaindre à la radio et... Bah il y a quoi hein. Mais franchement... Ah non, mais arrête, le mec, sa voiture, il était une seconde, aujourd'hui, il était une seconde autour que Russell. Il se prenait chaque tour avec des pneus égaux, une seconde autour. Il y a un moment où tu pètes une durite, quand même. Ouais, mais il peut le dire au débriefing, tu vois. Pas obligé de le dire là à la radio, on sait que c'est une news. Bah, ça fait 3 ans qu'il dit, ouais, travailler, il se passe rien. C'est pour ça qu'il s'en va, mais maintenant qu'il s'en va, je sais même pas pourquoi il se prend le chou. Parce qu'il veut quand même gagner, c'est un compétiteur, le mec. Oui, voilà. Il gagnera pas avec ça. Je dirais plutôt l'inverse. C'est que maintenant il peut s'en battre les couilles parce qu'il marche dessus. C'est pas ça. Ouais, c'est jamais, il s'est jamais privé. Hein. Ouais, mais autant. Aussi. Il était corpo quand même. Il a toujours été un peu corpo. Ouais, mais c'est jamais privé en tant que. Eh. La voiture était horrible. Hein. Imagine s'il partait pas à la fin de la saison. S'il restait chez Mercedes. Dans tous les cas, son comportement, j'aime pas. T'as ton écurie, t'as des mecs qui bossent et tout, et toi tu dis, mais ça avance pas cette merde, Discar et tout, comment ils qualifient la voiture, enfin c'est n'importe quoi. Non, Discar. Par respect pour les gens, ouais, Discing, enfin je sais plus. Le fameux Prost et la Ferrari camion. C'est vrai qu'il a été fort. Ah, tu me diras, le gars il a fait la même. GP2 Engine.
Mais c'était pire, Alonso c'était pire. Loda, ouais, Loda il a été même encore pire que ça. Bah il fait. Ouais, il a fait c'est pour cette merde. C'est pour cette poubelle, genre vraiment. Ah mais oui, d'accord, oui je vois. Mais c'était pas en course. Non, c'était pas en course. Oui, mais c'est en privé, justement. Arthur ? Ouais. Tu peux me renvoyer le Honda ? Mais je t'ai déjà renvoyé trois fois, gros ! Attends, Nico. Ouais, gros ! Tu m'envoies la bonne adresse mail, au moins ? Ah oui, je t'envoie la bonne. Parce que je fais un copier-coller, hein. Alors, attends, t'es dans les spams, là. Ah, putain, c'était dans les spams, gros. Et ouais. Le mec, il regarde pas partout pour... Et gros, je regarde mon principal. Mon principal, en tant que homme d'affaires, j'ai beaucoup de mails. Promote. Non, c'est pas ça, Moi, c'est pas promote, c'est écopia. Oh, ouais, d'ailleurs, c'est bien ce truc-là. De toute façon, le meilleur de tout, c'est écopia. Ça m'engage pas. Meilleur pour quoi? Pour être deuxième? Pour tout, tout. Wouah! Non. non, le meilleur pour être deuxième, c'est Rosberg. Ou Bottas. Ouais, c'est pareil. Le meilleur consultant pour Dimissi. Ah, ouais. Ouais. Bah, il a été champion, là. Oui, c'est comme sa voiture. Bah, tout le monde dit que Verstappen ne gagne pas parce que sa voiture, c'est sa voiture qui fait tout le tout. Bah, et Hamilton, il s'est fait gros, c'est sa voiture aussi. Ouais. Eh oui, mais gros, c'est assez tout voté comme ça. Non, mais attends, je vais te donner les stats parce que personne n'en parle. Pour te raconter le ridicule de la situation. T'as Verstappen en deux saisons. Non, mais écoute. Attends, t'as Verstappen, en deux saisons et demie, il va gagner plus que Alain Prost pendant toute sa carrière. Voilà la stat qui tue. Non mais attends, est-ce que Prost, il a eu des voitures dominatrices? Mais tu m'as énervé là. Prost, il a pas eu des voitures dominatrices? Mais là, c'est la pire domination de l'histoire du sport. Hein. Non mais Prost il avait des coéquipiers, l'autre il a PRS quoi, il est même pas foutu de battre Norris, à un moment faut arrêter quoi. Et Bottas il faisait quoi Bottas? Bottas c'est le chien d'Hamilton. Ah oui Bottas c'est Hamilton, il le... Non mais attends, à l'époque t'avais quand même Vettel et tout quoi, t'avais Vettel, il gagnait pas, la voiture elle dominait pas sur tous les circuits comme ça quoi. Ah mais moi je pense que vous cible trop les performances de Verstappen. Hein. Bah oui, c'est un monstre. Non après c'est un monstre, hein. Verstappen là-dessus y a rien à dire. Bah, moi là où c'est plus marquant c'était Jetta l'année dernière ou il y a deux ans, je sais plus. Quand tu vois tous les pilotes là qui sont en conférence de presse se retourner pour regarder son tour, tu sais que c'est là tu te rends compte que eux ils savent tous que c'est un monstre. Et que... Et il va finir vite parce que là il s'entraîne. Il va finir vite parce que là il s'entraîne pour les 6 heures de Long Beach. Il est déjà dans sa GT3. Bah ouais, mais il s'amuse plus sur e-racing que sur. C'est fou. Il s'amuse plus sur e-racing qu'en Formule 1 quoi. Et sur FIFA. En club pro. En tout cas, Button, c'est le rat à pas être un enculé de Formule 1. T'as jamais vu le Grand Prix du Canada 2012 toi? 2011, ouais. Ah putain. Alors, il y avait Alonso aussi, hein. Il s'est pris un drift pour tous les trucs. Il a fait 5 arrêts. De toute façon, il a fait. De toute façon, déjà. Je crois qu'il a rien pris, hein. Surtout, il a rien pris, hein. Non, mais il fait quand même deux fois last to first, hein. Ça, je suis sûr, il fait 5 arrêts. C'est il a gagné avec le plus d'arrêts dans. Ouais. Enfin. Ah. Vas-y, j'ai pleuré à la fin de saison. Son côté hein? Kevin Magnussen. Oh, le Stroll meilleur framer de toute façon.
Oh, j'ai vu ça ce matin, je dois... Ah ouais, il a fait ça, il arrive à se plaindre. Et Patrick, Alonso. Et il dit Cor, l'idiot, il m'a fait un break test et tout. Mais vas-y. C'est pas débile. Je sais pas si vous avez vu la. Après, l'effet accordéon d'une safety car. Je sais pas si vous avez vu la réaction de Ricardo. Si, j'ai vu. Ouais. Non. Bah en gros Ricardo il dit il regardait le virage mais il regardait pas moi, alors que dans les situations comme ça faut regarder que la voiture devant. Bah oui tu regardes pas de gars, c'est sûr. Ouais mais ça allait trop vite pour Stroll. Le pauvre il en CDI. Et oui, oh, et c'est le seul pilote qui a une contrat. Il y a pas de date de limite. Bah si la date de limite c'est qu'on papa part hein, c'est pas compliqué. Oh mais même le daron à un moment il va en avoir plein le cul hein. Ton rigole, la fils à un moment donné. Il coûte trop cher. Mais tu sais que même pour Aston, il coûte trop cher. Il leur fait perdre tellement de points en championnat, mais tellement de place. C'est tellement d'argent. Mais bah, budget cap aussi, hein. En pièces, ça coûte cher, hein. Et... En plus, il y a des fulgurances et. Ouais, les fulgurances, quand tu veux la mettre dans le mur, c'est ça. Non, sous la pluie, il est pas mauvais, hein. Ouais. Non, mais en vrai, il a des petites fulgurances et tout, mais il arrive à faire des trucs, mais. C'est... Non, mais il en a rien à foutre. Après mentalement je sais pas comment il fait pour tenir le mec hein. Ouais non. Je crois que voilà. Comme il sait ici. Mais en fait le truc c'est comme il sait qu'il peut pas être viré. En fait il le fait pas s'il prend du plaisir. Pour le plaisir. Il le fait pour son père, je pense. Allez pour préparer une reconversion, ça va être compliqué. Bah Le Mans. Bonne chance au coéquipier quoi. Bonne chance au coéquipier hein. Mais il peut signer à la Unity hein, il sera bienvenu Lens. Voilà. C'est peut-être le seul endroit où il pourrait être. Non mais papa va lui donner un business et puis il sera payé une fois il sera. Bah on sait pas, ça se trouve il a une passion qui lui fait kiffer et donc il va s'investir. On ne voit pas plus que ça. Ah, c'est ça. Ah, tu as fait de l'être là-bas. Voilà, on se chie. Moi aussi je me fais chier. À ce tour. Ah là j'ai commencé à mettre le push. Push push. Push up push up. Enfin, il est beaucoup plus poussé que les miens, que là.
faire que les autres. Non, mais c'est impossible. C'est impossible parce que tous les jeux qui nous sortent maintenant sont basés sur le 2011. Donc c'est pas possible. Bah, je te jure que si. Le 2010 était vraiment différent. Le 2010, moi, pour moi, c'est mon must. Et pour moi, depuis 2012, ils se ressemblent tous. Mais oui, non, mais je suis d'accord. Mais en 2012, je te jure que le jeu, il pleut sur des parties du circuit et non, il n'y a plus pas de. Je l'ai saigné en long, en large et en travers. Il n'y a jamais eu de la pluie sur un côté et pas l'autre. Je t'assure que ça m'est arrivé. Salut à tous. Yo. Salut. Tu parles de Jurassic, la pluie. Complètement. Ah, c'est sorti la même année quasi. Ouais. Bah, à peu près. Hein. Oh non, Jurassic, c'est 2008-2009. Ouais, 2008, ouais. 2008. Et ouais. Même année que Future, moi. Ouais. Ça, c'est dingue. Wow. Même année que Ross. C'est même plus vieux. C'est plus dans l'air. Ah ouais, putain. T'imagines, t'es né après YouTube. Ouais. Ça va être trop. Putain. Moi, je suis même plus vieux que Google. C'est années 50, Google. Ouais, et toujours plus. Quel enfoiré, tu sais. Ah, gros, hein, il n'y avait pas de combat. Bah si, au début quand même, au début. Ouais. T'as pas le meilleur tour en course. Hein. Ouais, je suis dégoûté, mais l'autre il m'a gêné là, Joe Black là, je sais pas qui là, je sais pas comment il s'appelle. Ah, oula. Sympa ta balade en Italie en tout cas. Ouais. Bon. Ça va? Oh non. Non, pas lui. Voilà. Ah. C'est bon. Ouais, dimanche, là. Oh, malheureusement. Qu'est-ce qui nous a fait le type? Qu'est-ce qui nous a fait le team? Ouais, regarde-nous. Bonjour. Thomas, attends, viens, je te prends dans mon autre vocal, comme ça on parle du truc. Oh, je te prends. Oh là là. Ah bon? Oh bah là. Ah bon? Avec un peu la discussion. Non. Avec le soundboard. Parler business avec le soundboard. Ah ouais. C'est bien. Écoute. Oh, c'est une photo de dingue. Pas déjà là. Hop. Oui. J'inscris l'équipe. Attends, je crois que je suis dans un practice avec. Je vais quitter. Non, t'es avec la bleue. Ouf. Eh ben, je verrai tout de suite. Hein. Oh là 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 là. Oh, derrière. Aïe aïe aïe. Oh là 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 là. C'est la orange, nous, c'est ça? Il me semble, oui. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui nous fait, Fabien? Et nous, c'est la bleue. Nous, c'est la bleue, ouais. Et vous, c'est la orange. Ok, comme bah vas-y, putain. Je vais... Ah, attends, faut que je... Il y a pas Bruno dans les... Il y a pas Bruno dans les... Non, il est pas dans les... Super Bruno, fais pas d'efforts. Ah bah ouais. Baptiste, sélectionné, Arthur... Putain, c'est pas beau. C'est pas beau ce qu'il fait le team, c'est vraiment pas beau. Ouais, non, il y a rien de... C'est vraiment de la saloperie, ça. Et le mec, il revient sur la ligne. Ah, c'est de la saloperie, ça. À un moment, faut arrêter, quoi. Ah, c'est vraiment pas ouf. Autant, je me demande si quand il se décale à droite, c'est pour éviter d'être sur la trage et que l'autre passe. Ouais. Il le fait trop tard. Ouais. Mais le deuxième move, c'est dégueu, ouais. C'est dégueu, quoi. Je te diffuse là, tu peux me dire si c'est bon? Je te diffuse. Tu m'as pris pour un diffuseur? Oui, ok. Register. Et c'est bon. Voilà. Et nous, on va voir le truc qui va pas. Oh, salut. Pas faire de bêtises. Parce que j'ai encore des traumatismes de. En fait, nous on a juste à les registrer aussi. Les registrer à Driver, c'est ok. Yes. On bouge dans notre channel là, les gars, pour se mettre un peu en condition et tout, discuter un peu des plans et tout ça. Oh, c'était un netcode.
Tom Skin, il s'est pris un netcode de l'enfer au team. Je crée l'équipage bleu, les gars. Ouais. C'est en bas. Ah, maintenant je peux pas. Ouais, non. Pas beau ça. Non, mais du coup, c'est pas si cool. Bruno, Bruno. Tu t'es déjà inscrit? Ah non, non, je suis au polar. Oui, ok, ok, oui, effectivement. Ouais. Team. C'est laquelle? La orange, bah après, revoyer. Ouais. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Vous voulez une face-fight ou pas? Hmm? Monsieur Ricardo a été pénalisé de 3 places sur la prochaine. Oui, parce qu'il a dépassé sous régime de safety car. Il a dépassé le Kimmer derrière lui. c'est magnifique ça. Mais très très bien. Ah putain. Ah, mais c'est vraiment. Ils sont ridicules quoi. La vérité, ils sont ridicules, c'est pas possible quoi. C'est bon du coup. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, j'ai tout accepté donc normalement. Normalement, c'est devrait être bon. Ok. Bah, vas-y, je vais. Bon. Tu veux t'entraîner avec. On va couper le stream. Par contre, je pense que moi, à 45, j'arrête, je fais une petite pause. Ok. A plus. À 16h.